17h07, ça part. Le vent est pas terrible, hein. Ouais, ça change d'hier. Hier, 32 degrés, gros soleil, aucun nuage, et là c'est l'inverse. Mais c'est le déconfinement. C'est quoi tes souhaits pour ce déconfinement? C'est aller à boulangerie. Hein? Manger. Le vrai premier jour de confinement, ça va être muscu sur la plage. Et après, on va voir ce que ça va être. On va improviser au fil de la journée. Et là, d'abord, au charbon. Aujourd'hui, on va commencer cette petite journée avec une séance de musculation en plein air, puisque c'est le déconfinement. Maintenant, on est habilité, on est autorisé à venir s'entraîner sur les petites machines qu'il y a dehors là au Portugal. Et ça, c'est cool. On va partir sur une petite séance d'échauffement. Ça va être un gainage. Simplement 8 minutes de planche, ça a bougé toutes les 10 secondes. Enfin bref. Alex, tu vas faire des abdos aussi ou pas? Absolument. Absolument. Ah oui, c'est vrai, c'est pas important pour lui. Bon, les gars, ça part. 1-2. T'es sûr qu'on peut s'entraîner, Mike? Hier, je suis allé surfer, mon gars. Il m'a dit, vas-y, filho. Signore, posso você surfar? Vai. Première séance de musculation déconfinement. Et Norris? Ouais, bon, on va partir sur la suite de la journée, hein, même si on n'a pas le temps avec nous aujourd'hui. Thierry, il est 8h. C'est parti, man. Le confinement est fini, mais il n'y a rien à faire parce que il fait trop moche. Alex, t'as fini de bosser là? Absolument pas. Waouh, il y a du soleil. Ouais, ça veut dire que c'est l'heure de. Manger des glaces. Voilà, donc le fasting intermittent, c'est bien parce que j'ai un coup de barre à 11h. Waouh. Bon, allez, on va s'étirer un petit peu. On va faire du bien, ça. Je vous explique ce qu'on est en train de faire. Pas qu'il pleut, on est en train de regarder du jujitsu à la télé. Bon, c'est dit, on va en faire aussi. Du coup, là, on est parti, on va s'entraîner au jujitsu. Pause. Fire.
La dernière fois, vous avez vu qu'on avait fait du spécifique, et le spécifique, c'est important dans le sens où, une fois qu'on a drillé une technique et qu'on sait la faire, bah maintenant, il faut savoir l'appliquer dans plusieurs situations. Il y a des patterns qui vont revenir. Et une fois qu'on aura maîtrisé ces patterns-là, bah on va savoir se défendre de mieux en mieux à l'entraînement et même en compétition. Donc voilà pourquoi faire du spécifique, c'est important. Je pense que c'est une bonne manière pour tous les pratiquants qui n'ont pas accès à la salle en ce moment. Du coup, continuer à travailler par thème, je pense. Et spécifique pourquoi? Parce que ouais, ceux qui sont un peu là-dedans, bah, on a vite fait retourner toujours sur les mêmes techniques, les mêmes positions et les mêmes choses. Et l'entraînement spécifique, vraiment bien orienté, bah, ça permet d'évoluer, à mon avis, explorer d'autres sphères pour pouvoir connecter après avec son fond de jeu. Et ça, c'est, je recommande bien. 1-2 Pousse. Camilla, mmh? Ça va? Ça va très bien. Je suis remplie de endorphines. Et dopamine, sérotonine. Ouais. Donc y a pas moyen de faire de dépression là. Toi Alex, t'es comment là? En termes de nourriture? Une salade de pâtes. Et je mangeais du poulet et des œufs. Bio, bien évidemment. Oui, bio et sans batterie. Salade de pâtes, salade de carottes, œufs, poulet et pâtes. Ici, betterave, carotte, trompette, salade, tomate, feijão. Ah ben on a le bacalhau au português, du tofu, des champignons, une sauce de courgettes et des brocolis. Bon appétit! Oh Seigneur, il m'a dit, il connaît pas c'est quoi valider. J'hallucine, c'est incroyable. C'est sorti, ça a fait le buzz et lui, il connaît toujours pas. Voilà mon équipe. On n'est pas à jour sur l'actualité et comment on va percer dans le game maintenant. Explique-moi! Comment on perce? Ah mec, je sais pas encore, je travaille dessus. Hein. Je peux pas, je suis désolé. Voilà, c'est ça le déconfinement, mon pote. C'est quand tu vas dehors, mais t'as ton masque, tu vois. T'es bien équipé pour aller chez le chinois. On respecte bien les distances de sécurité. Aujourd'hui, c'est déconfinement, donc Alex, t'es gentil, tu prends 2 mètres devant moi. Surtout, on garde nos masques. Donc surtout, on garde bien nos masques FFP2 et FFP3 ici. Là, on a un pistolet pour tirer son coup. Pistolet de nous, félicidage. Pistolet félicidage. Là, c'est un pistolet à eau. Pour être heureux, ça c'est pour les enfants. Bon. Avisou, oui. Bien, avisou. Ah. C'est pas pour les enfants de moins de 3 ans, là, quand même. Parce qu'il y a un calibre comme ça, quand même. Mal manié, ça peut être dangereux. Comment on fait pour régler ce tripode de Sanda contrefaçon du tiers-monde? C'est fait. Fait, mal? C'est fait. Voilà. Ici. Est-ce que ça va mettre feu à la maison? Alors, mon enfant, on voit mes abdos dessous. Moi, j'ai rien vu personnellement. À l'écran, on te voit en 3D. Ça éclate tellement fort, on voit ton avenir. On revient d'une sortie là, dans le parc d'Assidage. Le parc de la cité. On dit le parc de la cité? Bah, je sais pas. Parc de la ville. Parc de la ville. Je suis obligé de me faire. C'est arrivé par toi, mais. Non, c'est grave. Pas. Il y aura un bon petit rayon de soleil. On s'est dit, on va en profiter. Rentabiliser le matos. Voir un petit peu comment ça se passe. On est fatigué, c'est à la maison. Surtout par rapport à ce qu'on a vu hier. Température à 31 degrés. Au soleil, tout le monde a bronzé. Il faudrait peut-être qu'on se présente en fait. C'est quoi? Déjà, je vais arrêter de prendre cet accent. Parce que j'aime bien faire les accents. Enfin, faut juste faire l'accent portugais quand tu parles portugais, surtout au Portugal. Parce que j'ai remarqué, ils savent que t'es pas brésilien, tu vois. Même si toi, peut-être devrait quelque part, on pourrait être brésilien, quoi. Présente-toi à tes amis. Bah, qu'est-ce que je peux dire? Alex, c'est un pote que j'ai rencontré quand je suis retourné à la fac de médecine. Attends, 5 ans? Le concours était drastiquement sélectif. On se retrouve à avoir le concours de kiné. 22 étudiants. On se connaît toujours.
toujours pas. J'arrive à m'en aller sur le tatami, faire du jiu-jitsu. Des potes assez rigolotes, les façons UFC quoi. Ouais, je viens à ton cours de jiu-jitsu, mais c'est ta boxe contre mon jiu-jitsu. Moi, je décide de venir ici au Portugal. Pour la compétition, c'est cool d'être en Europe, c'est un grand avantage. J'arrive au Portugal, j'étudie, je finis mon diplôme ici, je travaille comme kiné sur la salle où on s'entraîne avec les copains à Focus. Un an plus tard, il y a Alex qui débarque. On étudie à la réunion ensemble. J'arrive un an après, il y a le jiu-jitsu qui était très fort. Je me compte qu'en un an, le jiu-jitsu c'était un truc qui me tenait à cœur. J'avais envie de voir ailleurs ce qui se faisait. Et ici, le niveau est fou. Vous voyez qu'il faisait des compétitions à intervalles réguliers. Et du coup, ça m'a donné envie de venir. Et puis, j'ai tenté l'aventure, histoire de réunir dans l'eau. Ça, c'est le côté sauvage. Les gars, super en tout cas. Merci de nous avoir regardés. Et puis, on se revoit bientôt. Grosse. Oh,